Honorable Member for Toronto Danforth. Le 17 mai, des gens de partout au Canada et du monde entier ont souligné la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Le choix du 17 mai pour célébrer cette journée n'est pas anodin. C'est en effet à cette date, en 1990, que l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Last year, our Prime Minister stood in this place and made an apology to members of the LGBTQ2 community who had suffered from discrimination. As our Prime Minister stated on that day, discrimination and oppression of LGBTQ2 Canadians will not be tolerated anymore. Nous avons fait d'énormes progrès, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. And we are just a week away from Pride Month, beginning June 1st. I'm looking forward to the Trans Fair, the Dyke March, and the Pride Parade. Check out events in your community soon.